Un jour, et ce jour ne viendra peut-être jamais, je te demanderai peut-être de me rendre un service. En attendant ce jour, accepte ceci. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Je parle d'un cadeau. Va en chier, des bulles carrées. Ah là là. Là, ça va être du lourd. Il a mis v'là le temps. Jean-Claude Duss. Tac 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 tac, donc on va faire dans l'ordre. On va retourner là-bas. Non, putain, sors pas tes armes. Ça, c'est pas très loin. Ce n'est pas très loin. C'était pas loin, donc on y va comme ça. Bah, je crois. Ça va pas.
On est en guerre, hein, donc. Désolé, mon vieux. Fallait pas chicane. Que passe? C'est un honneur. C'est un honneur. Et pourquoi alors? Ah ouais, d'accord. Ah les bâtards. Douf. Direct, ça joue les chevaux comme ça. Normalement, c'est bon là. C'est un honneur de faire affaire avec la famille Corleone. Ouais. Mais pourquoi c'est pas chez moi encore? Sérieux? Alors? C'est un honneur de faire affaire avec la famille. Ah, mais je comprends pas, je les ai peut-être pas tous. Chelou ça. Qu'on appelle les flics. Chelou cette boutique là. Ça arrive ou quoi? Police! Y a quelqu'un d'autre ou quoi? Non. Y a que dalle. C'est un honneur de faire affaire alors, avec la famille Corleone. Je ne comprends pas déjà pourquoi la porte n'est pas là. Pour cause de quoi? Cause de quoi? Cause de décès dans la famille? Ah bon. De quoi? Je crois que c'est un entrepôt ici en plus. Ouais, allez. On reviendra ici après. Hey, salut Punichette. Comment ça va? Merci pour ton raid, bienvenue à toi et à tes viewers. Venom. Lord Shanka. Eh bien, merci pour ton follow, Lord Shanka. Tu devais déjà me suivre. Ah non, ça va. Je l'ai vu avant qu'il y ait l'alerte, en fait. Merci pour le follow. Pour le raid, j'espère que vous allez bien. Et merci pour l'autre follow alors. J'arrive pas à bien lire ton nom, c'est quoi? Quoi c'est? Selnatork? Je sais pas. Salut Venom! Ça va ou quoi? Merci pour ton raid. Oh, comment il m'a allumé? Ça va nickel, écoute. Comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire. En vrai.
Alors, t'étais sur quel jeu, là? T'étais sur quoi? Tokyo 2020, alors je connais absolument pas. Je ne connais absolument pas ton jeu. Ah, je sais. C'est pas grave. Moi, j'ai super bien avancé depuis ce matin. Hein. Comme tu peux le voir, on a fait un peu ce matin. On a eu une deuxième famille, tu vois, les Stracci. Bah, je sais bien, ouais. Faut me suivre depuis minimum un mois. C'est volontaire. Désolé pour les nouveaux si c'est des gens corrects. Mais je peux vous aider. Mais bon. C'est vis-à-vis des trolls hein, que je fais ça, ni plus ni moins. Voilà. Quand ça sera vraiment calmé, c'est pour être très normal. Genre. Sûrement même. Pour l'instant, c'est trop souvent, donc. Je vais pas passer mon temps à bannir des gens, à les expulser. Surtout que ce genre de personne crée 10 comptes à chaque fois, donc. Non, mais il n'y a pas de souci, je dis pas, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis désolé pour eux, si c'est des gens corrects. C'est pour ça que je dis ça. Parce que tu vois, j'avais remis normal, tu vois, mais ça a recommencé, tu vois. Que là, les trolls, bah, ils peuvent pas parler. Hein. Les spammers de chat, là, tout le bordel. Là. C'est juste cool de voir ça, mais malheureusement... C'est le seul moyen. Quand t'as des mongols comme ça, qui créent 10 comptes exprès pour t'insulter ou insulter ta mère ou autre, je suis désolé. Ça va une fois, deux fois, mais... C'est surtout le soir, hein, j'avoue. Je stream pas souvent le soir, mais quand je stream le soir, laisse tomber. Peu importe. C'est comme ça. Donc, merci à vous pour vos follow, les gars, ceux qui peuvent pas parler. Je pense que vous comprenez. Si ça vous arrivait, je pense que... Voilà, quoi. Putain. Mais je peux tout faire, hein. Je peux faire tout ce que je veux, je peux remettre normal, là, si je veux. Mais dès que je remets normal, ça revient, donc... Bah, si, c'est ça, justement, je filtre. C'est ça, en fait. Je filtre. C'est pour ça que tu m'as vu m'énerver des fois en soirée. À force, ça gave. Au début, tu dis trop rien, tu vois, tu laisses passer. Vous cherchez de quoi vous soigner ? Au bout d'un moment...
Au bout d'un moment, bah voilà, même si ça sert à rien de s'énerver, hein, tu peux, ça sert à rien, on peut rien faire, tu vois. Derrière un écran, on peut rien faire, tu vois. Et c'est ça, ils en profitent, quoi. Les petits gogoles, quoi. Malheureusement, ben, c'est les autres qui en pâtissent, quoi. Certains, pas tout le monde. Hein. La plupart des gens qui me suivent depuis beaucoup plus d'un mois, tu vois. Je sais que c'est des gens corrects et sérieux. Je dis pas que les nouveaux, c'est pas des gens corrects et sérieux. Hein. Attention, hein. Attention, hein. Pas du tout ce que je veux dire. Et voilà, on sait jamais à qui on a affaire, hein, avec Internet, hein, c'est ça. Hein. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Il y a des gens, ils se croient un peu trop tout permis. Ils sont pas finis, quoi. Ou alors ils sont finis à la piste, quoi. Comment ça, ça bouge pas? C'est possible, ça? Hein? Mais où ça? Ah, bâtard. C'est pas possible, ça. Hein. Je suis un petit peu dans la merde, là. Hein. Ça part derrière, hein. On va essayer de s'en sortir, hein, ça va être temps d'action. Je savais. Aider aller un peu plus doucement. Vous cherchez de quoi vous soigner? Et j'ai plus beaucoup de munitions, ça c'est un problème aussi. Et la save elle est un peu loin quand même. Tant pis, on va réessayer comme ça. Oh pardon. La visée des fois elle a du mal mon frère. C'est énervant ça, c'est vraiment énervant. Et GG pour ton level up Venom. Putain d'où il sort là. Normalement, il y en a un autre. Ouais. Putain, des fois, la visée. C'est pas mal. Prends ça, toi.
On va nettoyer la zone avant. Plus beaucoup de munitions. Plus beaucoup de munitions. Un peu, arrête là. Ah, c'est salaud quand même. C'est vraiment salaud. Comment ça se fait là? Mec, il est là-haut, il s'est caché. Il est où? Attends, j'ai vu quelque chose. Ah, t'es sérieux, putain. Attends, bouge pas. Bouge pas. J'ai vu quelqu'un. Simple. Il est où ce bâtard? Je l'ai eu. Ah mais il y en a d'autres. Ah oui d'accord, ok. J'ai pas vu. C'est de ma faute. Allez, couvre. Oh la vache. Au secours. Il est où ce con? Sérieux quoi? Tiens, je vois pas où il est quoi. Bon déjà, on va se faire le coffre. C'est un peu risqué là. Vite à risque. Que la force. T'as vu? Il est où, franchement? Là déjà on est bien, on a tout récupéré notre énergie. Là. C'est plutôt nice. Peut-être aller par là plutôt alors.
Faut que je trouve absolument. Où ça? Où ça, le bâtard? Où ça? Franchement, où ça? Où c'est qu'on m'a tiré dessus là? Regarde, là c'est fermé. Oh, c'est ça m'énerve des fois, c'est vraiment pas. Où c'est qu'on m'a tiré dessus? En vrai. Putain! Ok, bon. Regarde ça, j'en tue un. Il y en a un autre qui arrive. C'est quoi ce délire? Il est détraqué le jeu. Il est détracax. Regarde, j'ai été partout. Il est où le type? Moi je veux bien. Normalement il est censé être là. Moi j'y peux rien si le jeu est détraqué. Hein. En vrai. Que là, on a tout eu, là, on a eu tout le monde. Non. Il y a une bouteille là-bas. C'est quand même bizarre. Hein. Il est où le mec, quoi? Franchement? Mais tu vises ou quoi? Putain! Je vais me faire déchirer à cause de d'un truc de merde, quoi. Putain. Ça, c'est pas possible, quoi. Normalement, il n'y a plus personne. C'est n'importe quoi en vrai, c'est n'importe quoi. Attends, il n'y avait plus personne et. En plus, je perds du fric là. Bon, c'est pas grave, on va les avoir facile. Par contre, j'ai plus beaucoup de munitions quoi, ça c'est merde. On peut faire avec. Hein. On peut faire avec. Ça va être compliqué, mais on peut. Cette chose.
Dégage! Oh là là! Le principal est de pouvoir, comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Le principal est de pouvoir. Non mais le jeu des fois il craque. Des fois il n'y a plus personne, des fois il y a du monde qui arrive. Des fois ça ne vise pas. C'est juste dingue. Ça fait chier. Ah bah oui, je peux le faire, évidemment. Évidemment. Mais il va me falloir de la munition, quoi. À fond. Je vois qui, moi, ce soir? Les Corleone ont besoin de ta voiture. Non, des fois, je vous dis, ils bug le jeu. Il y a des trucs qui ne vont pas. Mais bon. Il n'est pas tout jeune, on va lui mettre ça sur le dos. Faut absolument que j'arrive à une sauvegarde. Là, c'est mort. Ça devient chiant, des fois ça marche très bien et puis d'autres fois ça devient lourd. T'as des entrepôts plus durs que ça que j'ai réussi presque one shot quoi. C'est ça qui est un peu frustrant. Ah bon, autrement dans l'ensemble ça va. Putain, j'avais plus rien quoi, j'étais complètement à poil. Mais alors plus rien quoi. Le téléphone qui sonne, alors ça sert absolument à rien aussi. Puisqu'on a déjà toutes les missions fixées, donc c'est débile. C'est débile. Mais bon. On fait avec. J'étais vraiment à poil hein, quand même. Hein. À poil de chez à poil. À poil, Viviane. Mais bon, ça avance. Lentement, mais sûrement. En tout cas, comme je disais ce matin, je m'en rappellerai du 100% sur ce jeu. Je m'en rappellerai. Ah, vas-y, regarde. Mais tu vas me dire. Quand même un pépin, des fois. Hein. Et là, les armes reviennent pas alors qu'elles reviennent d'habitude. Génial! Bizarre. Bizarre des fois. En vrai. C'est chelou. Mais bon. Allez, on y retourne. Tu. Tout à l'heure j'avais fumé tout le monde. Comment ça se fait que j'ai pas trouvé le mec extorqué quoi? Je
J'ai pas compris. Des fois, il y a des choses qui sont pas claires. Des fois c'est pas clair. Regarde. Pourquoi lui il est pas mort? Explosion, le mec il meurt pas quoi. T'es sérieux? En vrai. Faut pas déconner quand même. Hein? Des fois, c'est vraiment abusé. Moi, je trouve. Mais bon, on fait avec. On me fait avec. Regarde, là il le vidait pas. Franchement. Moi je veux bien. Il est où? Des fois, ils ramassent même plus l'argent. C'est quand même ouf. Il y a des choses qui m'échappent, quoi, des fois. Mais bon, comme je dis. Avec. Ah, porte fermée, pourquoi? Alors que tout à l'heure elle était ouverte. Oh non. Il y a des problèmes. En toute honnêteté. Regarde ça! Il vise même plus, quoi, ce connard là! Ouh! Désolé, mais là, ça m'énerve vraiment, quoi. Regarde, eux ils peuvent me viser, moi je peux pas.
C'est quoi ce délire? Prends sur toi. Tu as cassé le jeu. Elle niquait le jeu en vrai. Mais je peux vous aider. Prends sur toi. Ah, total, j'ai grillé là les munitions. Quasiment pour rien, quoi. Et ça, c'est chiant. Regarde. Des fois, en une balle, c'est sérieux, en vrai. Putain. C'est frustrant. C'est frustrant. Surtout que c'est déjà bien assez long comme ça, en vrai. Regarde, regarde. T'aimes bien que je n'avais pas sorti mon arme là, t'aimes bien. Je sais pas. Des fois, je comprends pas. Fait avec hein. C'est complètement con quoi. Des fois, une balle ça suffit, et des fois non. C'est incompréhensible. Regarde. Dingue. Franchement, il y a des fois, ça m'échappe. J'ai l'impression que plus t'avances dans le jeu, plus il y a des soucis. Ils l'ont fini à la piste aussi, le jeu, non? En vrai. Ne l'ont-ils pas fini à la piste? Regarde, lui, regarde, quel truc de con quand même. Pas, ils veulent pas que tu le fasses, des fois, je comprends pas. Je sais pas. En plus, il y en a deux, là. Non ? Lui, des fois, ça passe crème et... Incroyable. Putain, tu vas crever une bonne fois ou quoi? Pas résistant lui, non? Bon, il est où le mec là? Que je me refasse pas avoir quand même. Pas dommage. Regarde, je vais essayer de descendre, mais là ça va s'ouvrir. Maintenant ça marche, et tout à l'heure ça marchait pas. Incroyable, je vous dis. Hein. Je vous dis c'est nimp. Je vous dis c'est nimp. Là le mec on l'a vu, tu vois. Voilà. 14 000. Don Corleone veut racheter votre oh, vache. Vous voulez partir en retraite? C'est un marché honnête, je l'accepte. Mais j'espère que vous vous occupez de tout ça comme il faut, hein.
Pa. Encore heureux, hein. Enfin, je sais pas combien de tentatives. Encore heureux. Mais on n'est pas à l'abri encore. Hein. On n'est pas encore à l'abri. Voilà, on a vu qu'il y avait des petits pélos ici. Merde. Des fois, il enlève son arme. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon, là? Où ça? Regarde, je le vois même pas. C'est bon, là, c'est chez nous, maintenant. C'est où? On a réussi, attends, je vais quand même regarder. On sait jamais. C'est chez nous. Bon. Et il était temps en vrai. Hein. Il était temps. Hein. Bon, on va se faire des petits commerces maintenant, un peu plus sympathiques. Enfin, plus ou moins. Il reste encore un entrepôt là-haut. Ah, il y a du boulot encore. Faut qu'on prenne absolument. Il y a une save juste à côté. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Ah, être que s'énerver. C'est un truc de ouf. Regardez les PNJ qui te montent dessus quoi. Regarde ça. Et le flic qui me tire dessus quoi. Bordel. C'est hallucinant. On va répondre pour que ça nous lâche, mais ça sert à rien. Kenenza a dit qu'il y avait peut-être du boulot pour toi. Regarde. Retrouve-le à la propriété. Ah, la vache. Ok, bon là... On fait le plein, quoi. Hein. Ok. Non, c'est frustrant hein, des fois. C'est... Ok, bon, alors maintenant. Du coup, on va aller directement au petit commerce. Directement. Il nous restera 1, 2, 3, 4. 5 coups néo. Je compte pas les Barzini encore. Hein, c'est trop. On en a pas fait assez. Alors, c'est vous qui êtes derrière tout ça. Faut garder son sang-froid. Hein. Vous voulez que la police vous lâche un peu? Je suis sûr que je peux peut-être vous aider. Ouais, vas-y. Le Don saura apprécier. Il aime quand les meilleurs flics travaillent avec lui. Dites au Don qu'il ne le regrettera pas. Faut que je garde des thunes. Oh, ça va, on en a. Mais bon, je parlais pour la planque. Pour les planques à acheter, tiens. Bah tiens, attends. Putain, je me suis tiré. C'est un truc de ouf. Putain, je sors de ma planque, quoi. Je fais Allumax. Là, je comprends qu'on soit en guerre, mais j'ai même pas le temps de sortir mon arme. Quoi. Et là. Oh merde. Je l'ai pas vu. Hop.
En tout cas, niveau des flics, on est tranquille, hein, par contre. Ouais, ça marche, c'est plus Venom. Okay. Regarde ça! Ouais, non, là c'était sûr. Les bourrins quoi. Oh, oh là là, on n'est pas à côté en plus, putain. Des fois, c'est insupportable comment ça se joue, quoi. C'est vraiment insupportable, des fois. Sérieux ? Y a pas de poupée qui tienne. Au secours ! Oh putain ! Voilà, le commerce est ici. Ça va, on a fait le ménage quand même. Les gens sous vous causent des soucis, je peux faire disparaître ces problèmes. Bien sûr, je paierai. Elle est où la porte arrière ? Il faut pas qu'il s'échappe. Arrête. Don Corleone veut racheter votre part. Vous voulez partir en retraite. C'est bon, j'accepte. Ah mais... J'espère que cet accord vaut le coup. Ouah. Vous avez vu comment je me suis fait tirer dessus là ? Gratuit les gars. Gratos là. Ah, le coffre il est là, nice. Oh non ! C'est bon, c'est chez nous. Par contre, la Vendetta... C'est un petit peu chaud, là. On va aller là. Parce que l'autre, c'est un entrepôt. Appelle la police. C'est loin, quoi. Non, c'est pas loin. J'ai plus beaucoup de vie encore une fois, mais bon. Pourquoi elle crie comme ça ?
Elle a vu que j'avais un gun aillé, quoi. On appelle les flics. Ouais, mais bon. Les flics se mettent sur mon chemin aussi, hein. Ça, c'est juste incroyable. Putain. Vous n'avez pas l'air bien. Je peux vous aider ? J'hallucine. Je suis comment là ? Oh, je suis loin là, oh. Ça va, on va aller à celui-là. Ouais, si ça. On pourrait dévaliser une banque, hein, mais bon. Pas pour l'instant. Jour de paye. Ok, ok. C'est bon ça. Putain, c'est pas à côté quand même, hein, en tout et pour tout. Hein. Bonjour, hello, bonjour, salut. Salut Mojo, comment tu vas? T'as la patate ou quoi? Il n'y a même plus d'armes, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais, ça va, nickel, ouais, t'as vu. Tranquille. J'ai une mission dangereuse à vous proposer, mais ça paye bien. Qu'en dites-vous? Ça me plaît bien, ça. On fait comme ça. Ça avance bien. La patate, mouais, j'ai pu coller hier soir un peu. Mal au crâne. Ah, ah. Ça arrive. Bon, ça fait un moment que j'ai pas eu mal au crâne, je t'avouerai, quand je bois un petit coup. Mais ouais, facilement dans le mal, facilement dans la fatigue. Ouais. Le corps fatigué, quoi. Facilement. Je peux pas les blairer, ça arrive, ça, par contre. Mal au crâne, faut vraiment que je bois quelque chose de fort. Mais je bois plus quelque chose de fort. Ah, mais moi, j'ai bu très peu. J'ai un peu exagéré hier. Non, tu bois très peu et t'as un peu exagéré. Bah oui, bah ça arrive. Moi aussi, je bois très peu en vrai, pas souvent. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Et je bois même plus d'alcool fort. Hein. Par contre, je bois des bières assez fortes. Comme tu as dû le remarquer. Ça va là? Arrêtez vos conneries. Où est ma part du gâteau? Vous m'avez convaincu, je paierai. Ah mais sérieux, vas-y. Putain. Oh, 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 oh. Il y a quelqu'un là, non? Ouais, oh, vas-y, ça me cave. Mais en fait, c'est de l'alcool fort, mais je le coupe énormément, c'est juste ça qui est traître. Ah, ouais, je vois, ouais. Alors que moi, par contre, ouais, si je bois un bon whisky, ce sera un whisky pur. Le problème, c'est est-ce que je serais capable d'en boire qu'un ou deux? Ah, c'est pour ça que j'en achète pas. Vous n'avez pas l'air. Pour ça que j'en bois plus. Je peux vous aider? Parce que moi, j'arrive pas à boire un ou deux whisky. Moi, si je commence, je suis capable de taper la bouteille, quoi. Donc, c'est pas la peine, quoi. Donc, je n'achète pas. Tout simplement. La petite binouze, c'est très bien. Déjà, des fois, c'est trop. C'est très bien. La petite mousse, c'est très bien. Petit rosé, au pire. Ah ouais, comme je te dis, c'est pas souvent. Hein. Une ou deux fois par semaine. Et encore, pas tout le temps. J'aime bien. J'aime bien mes petites binouzes. Hey, pour moi, Truman, c'est le meilleur. Musique, rétro, binouze. J'aime bien.
Ah, le vin rouge, ça par contre, je bois un ou deux verres avec du bon pain frais, du bon fromage, quoi. Ça, oui. Là, là parce que j'aime pas ça, le vin rouge, à boire en apéro, quoi. Ou alors un très très bon vin, quoi. Tu vois, tu prends un gros ballon, là, ou deux, et puis c'est bon. Non, arrête, je me suis déjà pris dans le temps, hein, ça fait super longtemps, je me suis déjà pris une cuite au vin rouge. Là, tu vas avoir mal au crâne? Tu vas avoir mal au crâne pour quelque chose. Là, t'as un casque, quoi, une barre devant derrière, quoi, c'est... Oui, voilà. En mangeant, c'est plus alimentaire, le vin rouge, pour moi. Je fais pas partie de l'ordre, mais je peux vous aider. Tu vois, un bon vin rouge épais, c'est comme un bon fromage. Tu vois, c'est nourrissant, quoi. C'est trop, trop épais pour boire ça à l'apéro, comme ça, c'est pas... C'est pas mon trip, quoi. Mais ouais, un ou deux verres comme ça, ça passe très bien avec un bon fromage, un bon pain frais, bah oui. C'est nickel. De temps en temps. Ça passe super bien. Avec une bonne viande, comme tu dis. Carrément. Ah non. Ah non, bon, apéro, putain. Et qu'est-ce que t'as bu alors pour être dans le mal? Il paraît que c'est chouette ici. Vous me laissez entrer? Qu'est-ce que t'as bu? Ça pourrait se retourner contre moi. Mais bon, amusez-vous. Qu'as-tu bu? Si votre établissement marche bien, il faudra sans doute le protéger un peu. Je donnerai aux Corleone tout ce qu'ils voudront. La chance a bientôt trouvé. D'accord. Ah, c'est bon, c'est chez nous. Ok. Il me manquait quelque chose à faire, c'est tout. Mais non, putain, je vais pas faire ça, merde. Oula, c'était du rhum ambré, j'étais pas dans le mal. Mais à la limite, un pote à un moment, il m'a dit arrête de boire, d'être mal. Il a eu raison, j'ai pas continué, mais... Ah, du rhum, ah ouais. Bah, ça, j'aime pas ça, par exemple, moi, toi. Je n'aime pas ça. Je n'en bois pas. J'ai déjà goûté, hein, pour dire tout ça. C'est pas, mon truc. Pour toi, ça passe crème, hein, je sais bien. Mais comme tu dis, c'est hyper prête. Je dirais du petit lait et puis à un moment donné tu te lèves et puis voilà quoi. La catch je connais. Hein. Ça se piave comme du petit lait et puis... En fait après bah voilà quoi. Ok. Voilà quoi, je préfère pas. Je suis dangereux aussi d'arriver comme ça, moi. Les Corleone dirigent cette affaire. Vous dites d'accord et vous rentrez chez vous. Ne vous moquez pas de moi. Allez. Ça me plaît. J'accepte. Allez, il y a du monde en bas là qui veut ma peau là. Descendez. Ah, il y a une bobine de film ici. Trop bien. Quoi? Ah, enfoiré! Oh, faut que je descende, absolument. On va descendre, de toute façon, on va y arriver. Oh merde! Ah bah ouais, mais bon. Comment il est arrivé comme un malade aussi? Je croyais que c'était un ennemi. Quoi. Ok. Bon. La bobine, elle est là, cool. Il y a des bobines même dans les bâtiments. Putain, ça, je savais pas ça.
Oh là là. Alors ouais, surtout que je me mets du jus d'ananas, de ouf. Pour éviter que ce soit trop fort, ouais, t'aimes pas l'alcool, quoi. T'aimes pas le goût de l'alcool, quoi. Moi non plus, en vrai. Par contre, la bière, j'aime bien. Avec ça, tu... ouais, bah ouais, ça passe comme du lait, c'est ce que je te dis. Dans le jeu, j'en suis là exactement, regarde. Donc comme tu le sais, on a fini le jeu. Ça fait longtemps, hein. Enfin, ça fait un moment maintenant. Et maintenant, on s'attaque aux familles, donc on en a fait deux aujourd'hui. Tu vois ? On a fait les Tataglia, les Stracci, tu vois, on a les blasons, tu vois. Donc là, on est en train de faire tous les commerces des Cuneo, de la troisième famille, et après, on va se faire leur entrepôt. Voilà. Donc on en est là, dans le 100% du jeu, tu vois, on a plus de la moitié, hein, comme tu peux le voir maintenant. Donc là, on s'attaque à la famille Cuneo, tu vois. Par rapport à la carte, tu vois, on se finit, il reste quatre petits points... devant des Cuneo. Après, on se fait l'entrepôt des Cuneo, tu vois, qui est ici. Ah, ça avance vite, pas trop. Hein, ça... On est à 30 heures de jeu, quand même. Hein, puis, il y a encore du boulot. Hein. Et après, il y a les Barzini à se faire, tu vois. Et une fois tous les petits baies, tous les petits Barzini faits, il y en a pas mal, quand même. Hein, et ben on se fera le dernier entrepôt des Barzini. Voilà. Et après, le 100%, il sera fait. Par contre, voilà... Là, on a encore quelques trucs à faire quand même, tu vois. Tu vois, 73 coffres sur 100. Mais quand même, mais le truc long... Non, mais ça, on le fera pas en entier. Ça fait pas partie du 100%. Ça fait pas partie du 100% des missions du jeu. Du jeu, quoi. Tu comprends ? C'est annexe, en fait. Ça, c'est plus pour les succès, tu vois. Regarde. Par exemple, on va ouvrir tous les coffres. On va essayer, hein. Braquer les banques, c'est pas indispensable non plus. Les planques, ça, on va le faire impérativement. Tu vois, les bobines, on en a 25 sur 100. Sac d'argent, on s'en fout, ça compte pas pour le 100% dans l'émission. Les combats non plus. Site d'exécution non plus. En fait, qu'est-ce qui nous reste ? Les coffres, les banques éventuellement, les planques. Et les familles, bien sûr. Voilà. On en est là. Je pense qu'une fois qu'on aura fait les deux familles, moi, je veux atteindre le don de New York, tu vois. Bien, tu vois. Ouais, non, c'est des succès, quoi. Donc, on va pas s'emmerder, c'est déjà assez long comme ça. Je pense pas qu'on va s'emmerder à faire toutes les bobines et tout, tu comprends. C'est déjà assez long comme ça. Non, le 100% en mode le jeu, quoi, tu vois. Le jeu, quoi. Là, on va continuer les commerces. Tac, tu vois. Ce qui compte dans le jeu, quoi. Oui, je sais, tu vas me dire, bah, c'est pas réellement 100%, alors ouais, c'est sûr, faudrait faire toutes les bobines et tout, quoi. Tu m'étonnes. Et en live, je pense pas que ça va être très intéressant de tourner dans toute la ville comme ça, quoi. Donc, j'ai réfléchi à ça. C'est déjà quand même bien assez long. Voilà. Bah oui, non, mais t'es obligé de toute façon, c'est ce que j'aurais fait, hein. J'aurais pris une soluce pour voir où sont toutes les bobines. Comme j'avais fait pour San Andreas. Enfin, San Andreas, c'était différent parce que j'avais une espèce de soluce, mini soluce. Tu vois, pour les coquillages, les fers à cheval. Là, ça rigolait pas, là. Là, c'était du 100% de fou. Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas si tu l'as fait, San Andreas, à 100%, mais... C'est tombé. Là, par contre, j'ai vraiment v'là galéré, quoi. Mais pour de bon. Bah, c'était surtout très long. C'est ça le problème. C'est que c'était long, quoi. C'était ça le problème, hein. C'était pas dur, hein. Fallait être super patient. Alors, maintenant, je le suis beaucoup plus que je ne l'étais à l'époque, hein. Clairement.
quartier difficile. Vous devriez vous protéger. Vous n'aurez pas à vous inquiéter. Je paierai. Non, jamais fait. Bon, aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup plus de patience qu'à l'époque. Mais j'en avais déjà pas mal à l'époque. Mais là, j'ai moins de temps qu'à l'époque aussi, hein, évidemment. 115 000 Waouh ! Faut l'acheter de toute façon. 95% à peu près. Aucun GTA, j'ai fait à 100%. J'ai fait le 3, le Vice City et le San Andreas, moi, à 100%. Je peux te garantir que les 3, c'est pas du tout une mince affaire. Les 3. Le 3, faut avoir les 100 paquets de coke. C'est trop, quoi. C'est bien trop. C'est juste horrible. C'est juste horrible. Je les ai, les 3 GTA sur PS2. Je dis 95 comme c'est peut-être 89, truc comme ça, mais je... ouais, après on s'en fout, ouais, tu l'as bien pensé, quoi. Ah bah c'est... merci. Ouais. Enfin, c'est... ouais, c'était pas évident, hein. C'est long, quoi, c'est pas dur, c'est long. C'est bon, c'est chez nous, super. Allez, on continue. On continue. On en voit le bout, on en voit le bout. Hein. On en voit le bout. Déjà, faut en vouloir pour faire tout ce que je fais là. Faut vraiment en vouloir quand même. Ce qui m'énerve, je sors de chez moi, mais on tire dessus pas direct. Alors en plus, à l'époque, je le faisais avec un pote aussi. Hein. On faisait chacun notre tour, un petit peu de machin, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Poussez-vous, je voudrais pas avoir recours à la violence. On se passait la manette. Ok, quoi. Mais si on veut... Je suis un grand malade, hein, je sais, tu vas me dire... Oh, merci beaucoup pour ton abonnement, Mojo. Merci beaucoup pour le soutien à la chaîne, ça fait plaisir. Merci, merci. Avec cette superbe alerte, ça m'a surpris. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. On le fera peut-être, bah, je sais pas si je l'avais dit quand t'étais là, on le fera peut-être en live. On le refera peut-être en live. Parce que le 3 en plus c'est mon préféré, ah, oui, ça je sais pas si je l'ai dit, mais c'est mon préféré donc. Je sais pas si je l'avais dit. Écoutez-moi bien, que deviendra votre club si son patron est mort, hein? Calmez-vous, vous aurez le fric. C'est mon préféré de la série. Génération Scarface. Hein. Le côté sombre, le côté noir, le côté Scarface, quoi. J'ai beaucoup de nostalgie dessus aussi, puisque, bah, premier GTA en 3D, quoi. Donc forcément... C'est chez nous ici? Non, c'est pas encore chez nous. Ah, on a encore des choses à prendre. Allez,
Ah, il y a encore un gérant ici, putain. Sérieux? Il y en avait trois gérants ici. Je vais vous faire non, deux gérants et un commerçant. Le bien de votre affaire, capiche? Mes filles ne disent que du bien des Corleone. J'accepte votre offre. Ah bah faudra que je le fasse en live alors. Que tu vois. Mon Vice City, il a un petit pète au casque, faut que je le fasse resurfacer. On l'avait commencé en live parce qu'on me l'avait proposé, du coup j'ai fait San Andreas à la place. Il va avoir une petite rayure, mais ça se resurface, quoi. Mais il est à la maison. Il est là. Et je le kiffe aussi, hein. Je le kiffe beaucoup aussi, hein. Et puis, bah, bien sûr, le San Andreas. C'est marrant qu'on en vient souvent à GTA quand on joue à ce jeu-là. Andreas. Voilà, j'ai la carte et tout avec les trois. Hein. Les posters, ils sont au mur, d'ailleurs. Les posters de chaque GTA, ils sont au mur. Ils sont là. Ils sont stylés, je trouve, en vrai. Le Vice City avec la meuf en maillot de bain rose, là. Ils sont stylés. Ils sont stylés. J'aime bien, moi. Ah, c'est chez nous, pas encore. Bah, c'est un bon moment, monsieur. Qu'est-ce qu'il a, lui? Attends, on va sortir. J'en étais certain. Aïe, aïe, aïe. Mais je crois que c'est chez nous quand même. Hein. Attends, on va le savoir. Ouais, c'est chez nous quand même. Bon. Allez. Il nous en reste deux. Vous cherchez de quoi vous soigner ? Non. Fous le camp. Pas du tout. Mais vas-y. Quelqu'un pourrait m'aider? On appelle les flics. Bande de malades dans ce jeu. On va se prendre une nouvelle planque, tiens. On va essayer. On n'est pas en guerre avec eux, donc... GTA 3, ça serait classe de voir ça. Le bon souvenir quand même. Ouais, bah, de toute façon, si on le fait... Je sais pas si on fera tous les paquets de coke, hein. Mais on fera toutes les missions principales et toutes les missions annexes, bien sûr. Et quelques trucs quand même, tu vois. Parce que c'est long, hein, pareil, c'est super long. Hein. J'ai pas... Je stream pas tout le temps, tous les jours non plus. Quand j'ai du temps, j'essaie de streamer le matin et l'après-midi, mais c'est 2-3 fois par semaine, maximum, et encore pas tout le temps. Donc c'est vrai que celui-là c'est super long, quoi. Ça fait partie des jeux longs, quoi, quand même. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Si t'as assez de points de chaîne, demande-le avec tes points de chaîne. $150 000. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens en paix, hein, alors. Sortez d'ici, vous gênez. Les Corleone voudraient leur part du gâteau, à votre avis, ça se monte à combien? Oh bah oui, j'en ai bien profité. Il fait son show et après il me donne tout. Ouais. Il accepte. On lui colle une bastos dans la tête et on n'en parle plus. Faut pas aller trop vite.
c'est chez nous, quoi. C'est chez nous et sans esclandre en plus. Alors, non, j'ai pas encore assez de points, loin de là. Je suis à 5K. Ah, bon, ça monte vite, hein. Ça monte vite en vrai. Bon, bon, on n'a pas fait de grabuge. Sors de la voiture. Ça monte vite. On va essayer de faire les choses bien. Vu qu'on n'est pas en guerre avec eux. Bien. Hein. J'ai une offre de la part de. Comment m'a poussé. Je suis heureuse de payer pour ma protection. Et elle me donne après. C'est un peu nappe là. T'es gonflé de te pointer ici, je te l'accorde. Eh oui. Ah, elle est à combien? 100 000? Voilà, c'est que des planques à plus de 100 000 maintenant. Oh, putain. Il y a quelqu'un que ça intéresse? Bonjour madame, est-ce qu'on peut flirter avec vous? Normalement oui. Hein. T'es vraiment un loup par la... Ne vous éloignez pas trop, hein, mon cœur. Je crois qu'il y a un succès avec ça, il faut que je flirte avec une meuf. Vous cherchez quelque chose? Ah, c'est peut-être l'autre là, celle-là. Ce sont les types comme vous qui rendent le métier agréable. Ah, peut-être dans les chambres alors. Il n'y a personne, mais un fusil à pompe. On va monter encore un peu dans les étages. Bonjour. Je suis certaine que vous savez vous occuper. J'ai une spécialité. Je vous montrerai ça plus tard. Ah. Flirter. Venez, ma toute belle. Je mords pas. Oh, mon chou, vous savez vous occuper des femmes. J'adore. Voilà, faut y aller tranquille. Persuasion. Et après, on peut flirter normalement. Non. Un peu de patience, mon chou. Et j'aurai une surprise pour vous, plus tard. Ah ouais. Vas-y, hein. Moi, je voulais le succès, mais bon. Ah. Il y a un coffre ici ou quoi? Oui, il y a un coffre ici en plus. Laissez mes filles en dehors de tout ça. Vous venez pour... Je vais vous faire une offre ferme pour le bien de votre affaire. Capiche? Ça m'a l'air correct. Et si quelqu'un vous intéresse, vous m'en parlez. C'est chez nous ici ou quoi? On est en train de se faire tous les commerces. Mais tranquillou quoi. Hein? Ça fera ça de moins à faire. C'est vrai que c'est assez long. Donc. Bon bah c'est bon. C'est bueno, c'est bueno. Ça y est, t'as le petit badge d'Earthworm Jim devant ton pseudo, Mojo. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Earthworm Jim comme jeu. Sur SNES et Mega Drive. Et sur Mega CD aussi. On va aller se prendre des munitions parce que... Buongiorno. Buongiorno.
Je vais regarder les flingues, comment ils sont. Ça va. On a graissé les flingues. Ah, petit match Castlevania. Simon Belmont. Rien d'autre ? C'est pas une ville facile, ça chauffe même parfois. Je peux vous protéger contre ça. Ah ouais, c'est clairement le logo de la Super Nintendo 2, bien sûr. Sa sécurité dans un quartier pareil. C'est pas facile, c'est exactement ça. Exactement ça. Non, pas lui. Oh, la chance que j'ai eue là. Vos petits trafics, ce sera fini si les Corleone n'obtiennent pas ce qui leur revient. Bien, vous l'aurez votre fric, espèce de merdeux. Merdeux. What? Ah merde. Putain, je l'ai attrapé, il m'a fumé l'autre là. Waouh, putain, c'est une blague. Vous cherchez de quoi vous soigner ? Ah non, sérieux. Bon. Eh ben, il nous en reste un seul. Un seul. Un seul petit coup Néo. C'est un entrepôt, je crois, un petit entrepôt. Et après, donc, on pourra aller au vrai entrepôt qui est très dur. Là, ils sont très durs, les entrepôts. Sinon, on est chez nous partout. Tu vois ? On est chez nous partout. Dans tout New York. Alors, les points jaunes, c'est des contrats. C'est très rapide à faire. Et les points violets, c'est des services. Pareil, c'est très rapide à faire. En fait, ce qui est vraiment très long dans le jeu, c'est la route. Parce que tu n'as pas de téléporteur, logiquement, tu vois. Bien évidemment. Il faut se retaper toute la route à chaque fois. Et quand tu es en guerre, ben, tu fais pas un pas sans te faire canarder. Donc c'est quand même tant d'axes, quoi.
c'est la route le plus long et le plus dur, en vrai. Quand t'es en mode poursuite, quoi, t'es poursuivi. C'est juste ouf. Je me fais une petite cigarette, hein. Tu fais. Bon. Oh, mets-toi bien, toi. C'est pas la caisse la plus rapide du jeu, mais franchement, elle est terrible. Barre-toi sinon je te tue moi. On peut se le faire aussi. Ah, on est sur le chemin. C'est vous. C'est un quartier difficile. Vous devriez vous protéger. C'est vous. Très bien, je vais payer. Vraiment celui-là. J'ai l'impression que vous avez une idée. Don Corleone veut racheter votre part. Vous voulez partir en retraite? C'est entendu. Vous aurez votre argent toutes les semaines, c'est promis. Très bien, c'est bien mon pépère. Ah. Comme petite bobine. Plaisir. Celles qu'on verra sur notre chemin, on les prendra évidemment. Ok, c'est chez nous alors. Maintenant. Ouais. Bon bah, on va faire péter le coffre alors, hein.
je l'ai, hein. Les affaires avant tout. Les affaires avant tout, quoi. Allez, jette-toi bien sous mes pneus, toi aussi, hein. Oh, la pauvre caisse. Elle fume. Est-ce que quelque chose vous intéresse? Regarde. Est-ce que tu as vu le prix? Python niveau 3. Je crois que vous allez aimer. C'est tout ce que vous avez sur vous? On peut pas là. On peut pas là. J'ai à peine sorti mon arme. Hein. Truc de dingue, quoi. Ah non, pas toi. Quoi? À l'aide, s'il vous plaît. La cible, elle est chiante. Franchement, j'ai de la chance. Tiens, le don de Nono, ça va? Ici, Tempura, super été qui s'annonce. Bah, l'été, on est déjà à la moitié. Hein. Et salut, mon petit Elcor. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Moi, ça va, impec, merci. Chez moi aussi, c'est un peu le temps de merde. Hein. Je te le dis, hein, tout de suite. Donc... Tant de merde aussi. C'est Peggy 18 le mojo. Pourquoi il dit ça? Pourquoi dit-il ça? Que dit-il? D'où vient-il? Qui est-il? Qui est-il? Austin Power, le mojo, c'est... Il est con. Ah, il en tient une couche, lui. Putain. Ah, je savais. Oh là là là.
Ah le bâtard. Dès que j'arrive pas avec mon micro, ça me prend la tête. Tu m'étonnes, l'autre jour c'était nickel en plus. Je suis arrivé mon pote, je te jure. C'est pas pour te faire chier. Juste merdique, horrible. Non mais horrible, hein. Horrible. On dirait que tu parlais, tu étais en train de chiffonner à côté de ton micro un truc d'aluminium et tout. Je te disais, regarde ton retour de stream. Dis, c'est pas ça ou quoi? T'as juste à aller sur Twitch et regarder ton retour de stream, c'est tout. Ah, t'aurais vu que... C'était dingue. À un moment, ça allait mieux, mais on dirait que t'étais sous une couette, quoi, étouffé, tu vois ce que je veux dire? C'était ouf, quoi. Alors du coup, je suis parti, j'ai fait, c'est inécoutable, je pouvais pas, là. Je pouvais pas. Ouais, mais c'était pas ça du tout. Dès qu'il y avait un peu de son de jeu, c'était fini. Sors de cette voiture, bordel! Mais bon, c'est, ça arrive, hein. Ah, chelou, ouais, carrément, parce que le jour où tu l'as eu, quand tu chantais et tout, là, que t'as fait ton test et tout, c'était nickel, en vrai. C'est nickel chrome, hein. C'était nickel chrome, quoi. Ah, bah oui, hein. Je pense, enfin, j'en sais rien. C'était quand même dommage. T'as quand même investi là-dedans, quoi. C'est dommage. Vous voulez que la police vous lâche un peu? Je suis sûr que je peux peut-être vous aider. Marché conclu. Voici un premier versement avec les compliments de Don Corleone. Me serre pas la main, toi. Ouais. Un tuto qui explique son réglage. Bah ouais, hein. Écoute, ce serait con d'avoir investi dans le vent, quoi. Ah, vas-y, ça marche. À plus tard, merci d'être passé. J'ai entendu des types parler de vous au poste de police.
Reménage, hein, bien. Putain, comment on a géré là? Ce serait dommage de se faire enfler ici maintenant. Derrière, hein. Par derrière, hein, toujours. Hein. Incroyable ça. Pas faire chier. Arrêtez, ça suffit. Bon. Hey boss, laissez-moi retourner au travail, on gagnera un. Yes. On l'a géré là. On l'a putain de bien géré. Quoi. Donc c'est chez nous hein, maintenant. Ok. Voilà. On les a tous faits. Tous. Sans exception. Merci Mojo. Alors on les a tous faits donc. Il nous restera juste les Barzini à faire. Et leur entrepôt. Et maintenant, bah. On a juste l'entrepôt des Cuneo à faire. Ça nous fera un troisième blason. Ah, c'est chaud, hein, ça devient très chaud, t'as vu? Ça devient très chaud. Hein. Ça devient très très chaud. Ça devient chaud, comme la braise. On va dire qu'il faut en vouloir, quoi. Pardon. Voilà. J'allais voir mon chien parce que j'ai mis sur le balcon, il a vu une bête. Lui, il la bouffe la bête, lui, il se fait piquer avec, pareil. Je ne rends pas compte. Il s'en fout. Oh putain! Ah non, je crains. Oh putain, j'ai eu la trache. J'ai eu la peur de ma vie. Là. Je me suis dit, c'était pas possible. Là, quand même. Je croyais que c'était des ennemis, quoi. Bien.
Ils me disent Excite. Par où je le sors alors? Je me demande ce que je vais offrir au coffre. Y a pas de coffre ici. C'est quand même étonnant ça. Ah, y a pas de coffre hein. Tiens. Mon cul, oui. Je me disais bien aussi, hein. Voilà. Bon, est-ce qu'on se tente l'entrepôt des Cuneo? Est-ce qu'on se le tente? Je le tente? Ça va être chaud, hein. Très chaud. Mais on peut tenter, hein. Ah oh, putain, comment j'arrive là-dedans? C'est juste là en plus. Là, je crois pas. C'est parti! C'est parti, mon kiki! Garantir que ça va être tendax. Je peux te garantir. Mais si les flics ils sont contre moi aussi, hein, ça va pas être bon ça. Attends, mais il était pas mort. Je change d'arme, on va prendre la mitraillette. Hein. Faut pas que je sois trop pressé. Donc. Génial. Ouh, je suis dans la merde. Mais vraiment. Ah la vache. Ah, j'étais bien quand même. Mais bon, un peu trop bourrin, quoi. Bourrin quand même. C'est pas spécialement les bonnes munitions en plus. Alors, est-ce qu'il y aurait pas une petite save juste à côté? Bien sûr que si. Mais c'était pas mal. Parce qu'en fait, si, bah, tu le connais le jeu, toi. Toi, il y a deux parties à faire exploser, tu vois. Et là, il y en a qu'une. Enfin, il y en a qu'une. Il y en a deux, mais elle est à l'extérieur. Et là, ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué. Je raconte même pas le monde qu'il va y avoir. Chez les Barzini, mais on n'y est pas, on n'y est pas. Chaque chose en son temps. On aura fait des commerces déjà d'ici là. On... Déjà là, on est pas mal, hein. Là, j'essaie de monter ça maintenant, et ça aussi un peu, mais ça, c'est pas très important. Ça, c'est important, ça. Mais le plus important, c'est l'état et le tir. On est full.
C'est où je peux en trouver? Oui, c'est pas donné. Alors, vous voulez que la police vous lâche un peu? Je suis sûr que je peux peut-être vous aider. Je paierai que... Je paierai que... Ben, si t'as payé, mon pote. Tu as payé, mon pote. Voilà. Bon, du coup, je pense qu'on va le garder pour, pour le prochain live. Alors, je ne sais pas quand. Parce que mercredi, j'ai rendez-vous pour certaines choses. Demain, je suis occupé. Mardi, mercredi, je suis occupé. Donc, peut-être mercredi après-midi pour la suite. On va se la jouer comme ça. On va se la jouer comme ça. On continuera mercredi après-midi. Parce que mardi et mercredi, je suis pris le matin. Ah, peut-être que ce soir, je serai en live, je sais pas. Ce sera sur du rétro. On verra, c'est pas sûr. Non. Non, pas spécialement. Oh, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Clairement, c'est pas genre hors de question, je le fais pas le soir. Non, non, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais tu sais, c'est bien de faire une petite pause aussi quand tu fais un jeu comme ça qui est assez long, que t'en fais beaucoup, parce que c'est long et forcément t'en fais beaucoup. Par exemple, hier matin, on a fait un jeu du viewer, tu vois. On a fait Shinobi 3 sur Mega Drive, qui était proposé par un viewer avec les points de chaîne, tu vois, justement. On parlait de points de chaîne tout à l'heure. Tu vois, on varie un petit peu, on fait des pauses un petit peu, on varie. On varie. Puis bon, bah, après, j'ai pas mal d'autres jeux à faire, à continuer aussi. Puis j'aimerais bien commencer ma petite collecte de jeux Super Nintendo, tu vois, et Super Famicom. Pas mal de jeux à faire aussi. Voilà, quoi. Peut-être que ce soir, on se fera de la PlayStation 1. Soirée PlayStation 1. Pas mal de jeux PS1, quoi. Pour changer un peu. Après, s'il y a de la demande sur autre chose, on verra. On verra bien. Mais je pense que c'est une bonne idée, un petit peu. Tester quelques jeux que je connais et que je connais pas, et voilà. Ouais, j'en ai pas mal, en plus. J'en ai, je sais pas, 500. Dans la Super Rétropie, je parle, hein, tu vois. Donc il y a de quoi faire, il y a plein de jeux que je connais pas. Je l'ai eu la PlayStation 1, hein. J'ai eu plein de fois la PS1. Je l'ai eu sous toutes ses formes, plusieurs fois. Je connais plein de jeux dessus, mais il y en a plein que je connais pas aussi. Il y en a que j'aimerais vous montrer aussi. J'ai pensé à ça dernièrement, là. Il y a un peu de PS1, ça peut être sympa. En plus, ça passe super bien, ça passe très bien. Moi sinon, les jeux PS1, en physique, je parle, je les fais sur ma PS2 Slim. Tu vois, par exemple, Metal Gear Solid... On l'a fait en réel sur la PS2 Slim. Heart of Darkness aussi. Bon, il y a pas mal de jeux sur PS1. Et ça fait un moment, mais j'ai envie de me faire un petit Ridge Racer aussi. Un bon petit Ridge Racer. Ridge Racer Revolution, un truc comme ça. Un Tekken, tu vois. Ça peut être sympa, je pense. Ça peut être sympatoche. Donc on verra ça. Je vais réfléchir, je vais voir... Si je peux me faire ça ce soir, et
Je pense, hein, je pense que ce soir, je vais revenir sur la Super Rétropie et sur la PS1. Parce que vu que demain et mercredi, je serai pris le matin, donc je ferai que l'après-midi, mercredi. Parce que demain après-midi aussi, bon. Donc on continuera le parrain mercredi après-midi, quoi. Donc peut-être ce soir. Ce soir, on va peut-être se faire ça, quoi. De la PS1. Regardez les succès. On n'en a pas eu de nouveau depuis ce matin, hein, évidemment. On en a eu un. On en a eu un seul ce matin, c'est celui-là. Remporter un combat. Les succès, pour les débloquer maintenant, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut en faire. Mais ils vont tous arriver d'un coup. Quand on va finir les entrepôts, les trucs comme ça, les commerces, ils vont tous arriver d'un coup. Dégommer du riz, c'est une bonne soirée, ça marche. Ok. Et merci d'être passé, Mojo, et merci pour ton soutien. Puis ouais, du coup, bah moi, je vais m'arrêter là, pour maintenant. Et puis, voili, voilou. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Tchuss. Pas de soucis. Plaisir partagé. Il n'y a pas de problème.